Bonjour tout le monde. Au nom de Vélocution Montréal, je souhaite vous remercier d'être avec nous aujourd'hui à la mémoire de la jeune Maria. Nous souhaitons avant tout exprimer nos condoléances les plus profondes à sa famille, ses amis, ses collègues de classe et la communauté ukrainienne. Son décès est d'une tristesse ultime, surtout que sa mort était entièrement évitable. Aujourd'hui, nous lançons un message aux élus de l'urgence d'agir. Nous devons en finir avec la sacro-sainte fluidité automobile. Elle ne devrait jamais, jamais être plus prioritaire que la sécurité des personnes à pied ou à vélo, surtout les enfants. Parlons d'élus, notons la présence de Valérie Plante, mairesse de Montréal, ainsi que plusieurs autres élus. J'espère sincèrement que vous allez entendre le désarroi, la colère, la tristesse et les messages que la communauté vous lance aujourd'hui. Marcher à l'école, ça ne devrait pas être une fatalité. Marcher à l'école, c'est un droit. L'autonomie des enfants, c'est nécessaire à leur développement. Il faut leur laisser voler de leurs propres ailes, découvrir le voisinage avec leurs amis et développer leur propre sens d'appartenance à leur quartier. Les parents ne devraient jamais craindre de les voir marcher quelques rues pour se rendre à l'école. Mais nos aménagements se prêtent aux excès de vitesse. L'empressement des automobilistes pose des dangers quotidiens aux familles. Et on note aussi une baisse dans le nombre de contraventions remises par le SPVM dans les dernières années. Encore une fois, la ville, la province et les forces de l'ordre favorisent la sacro-sainte fluidité automobile. Limitons le nombre de voitures en ville et réglementons les formats des véhicules qui circulent. Nous avons le pouvoir de changer notre ville. Aux Pays-Bas, les citoyens et les citoyennes ont lancé un mouvement « Stop the kill the monde, halte aux morts d'enfants » après une vague de décès d'enfants dans des collisions des automobiles dans les années 70. Cette indignation collective, cette colère, cette solidarité a poussé les élus à transformer les centres urbains pour prioriser la sécurité des personnes à pied et à vélo. Aujourd'hui, nous lançons notre propre mouvement. Plus un mort de plus. Stop the kill the monde. Plus un mort de plus. Les rues aux enfants, les quartiers aux familles, les villes aux humains. Merci. On va débuter la marche maintenant. Je vous invite à prendre la rue. Je demande de prendre une minute de silence à la mémoire de Maria. Bonne journée scolaire, courage dans les prochains jours et joyeux fêtes. Pour les médias et les réunions, on a...